Alors, avez-vous réussi à choisir ce que vous voulez? Moi? Oui, j'ai choisi. Je veux cette crème juste ici. Celle-ci, n'est-ce pas? Ma chère, vous allez l'adorer. Son parfum, parfait. Merci beaucoup. Hé, hey, mademoiselle, un instant. Vous n'avez pas payé. Ah oui, c'est vrai. Waouh, je suis vraiment tête en l'air. Je vais payer. Et quel sera votre mode de paiement? Alors, voici ce qu'on va faire. Je vais vous faire un virement, d'accord? Juste une minute, d'accord? Voilà, c'est fait. Voici votre virement. Très bien, ma chère. Une minute, je vérifie. Oh, désolée. Je pense qu'il y a eu un problème, car je n'ai pas encore reçu le paiement. Oh, comme c'est étrange. Je viens de le faire. Regardez ici, c'est bien ça. Oui, en effet. Voici ce qu'on va faire. Vous pouvez y aller. Je pense que ce doit être une erreur du système. Je ne suis pas dupe, d'accord? Je vous fais confiance. Oui, ce doit être une erreur du système. Je suis mort, d'accord? Merci beaucoup. Ça a marché, ma fille. Ça a marché. Oui, maman. Tout s'est bien passé. Oui, mon amour. Tout s'est bien passé. On y va? Non, non, non. Ça ne peut pas rester comme ça. Hé, hey, hé, hey, mademoiselle. Je dois vous parler de toute urgence. Mais que faites-vous ici dans ma boutique? Dehors, dehors maintenant. Mademoiselle, mais c'est urgent. Vous savez, cette femme qui était là tout à l'heure avec cet enfant? Pour l'amour de Dieu, je ne vais pas le permettre. Sortez d'ici! Vous puez. Imaginez mes clients qui arrivent ici et voient cette situation dans ma boutique. Écoutez-moi, je veux juste vous aider. Je ne veux pas de votre aide. Je ne vous ai rien demandé. Je veux que vous partiez d'ici maintenant. Ah, d'accord, d'accord. Hé, hey, attendez. Voleuse. Espèce de voleuse. Attrapez le voleur. Attrapez le voleur. Voleuse. Voleur. Venez ici. Rendez-moi ce film que vous avez pris dans ma boutique. Rendez-le-moi maintenant ou j'appelle la police. Écoutez, je n'ai pas besoin que vous appeliez la police. Le voici, d'accord? Je voulais juste attirer votre attention. Je veux que vous voyiez quelque chose. Que voulez-vous me montrer? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous voyez cette femme là-bas? Elle est entrée dans votre boutique et elle veut juste vous arnaquer. Mais quoi? Comment ça? Je ne comprends pas cette histoire. Regardez, elle est allée dans votre boutique. Elle a changé le QR code. En fait, quand quelqu'un fait un achat, le paiement va sur son compte et pas sur le vôtre. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que cette histoire soit vraie. Je ne peux pas croire une chose pareille. Mais c'est vrai. Vous ne voyez pas? Cette femme n'était-elle pas là tout à l'heure? Oui, c'est vrai. Elle était bien là. Et depuis ce moment, avez-vous reçu des paiements? Mon Dieu, quel escroc! Je n'arrive pas à croire que je sois tombée dans le panneau. Voilà ce qu'on va faire. Elle va me payer et vous allez m'aider. Mais moi? Comment ça? C'est exactement ça. C'est vous qui allez m'aider. Allons-y. Mon amour, joyeux anniversaire, d'accord? Maman va t'acheter tout ce que tu veux. D'accord, maman. Merci beaucoup. Très bien, mon amour. Attends juste un peu que maman vérifie le solde ici, d'accord? Parfait. Maintenant, avec cette nouvelle technique, tout ce que tu veux, mon amour, maman te le donnera, d'accord? À partir de maintenant, mon amour, on va avoir une très belle vie. Vraiment très belle. Mon amour, regarde. Si tu n'es pas maligne dans ce monde, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs, tu vois? Alors, sois maligne comme maman, d'accord? Voilà, papa. C'est à ce moment précis qu'elle a échangé les codes. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Elle va le payer très cher. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à résoudre ça. Mais comment allez-vous m'aider? Ici, vous êtes tout seul. Je ne comprends pas. Mais c'est très simple. Vous voulez voir? À partir de maintenant, on va avoir de l'argent et on va acheter tout ce qu'on peut. Tiens, j'ai reçu un virement d'un centime, mais c'est bizarre. Mon Dieu, ma fille, ils nous ont découvert. Ah, c'est bien que vous soyez revenu, hein? Maintenant, je veux que vous me rendiez tout ce que vous m'avez pris. Et pourquoi je vous le rendrai? Parce que si vous ne me le rendez pas, je vais vous dénoncer à la police. Vous vous croyez très maligne, n'est-ce pas? J'ai fait ça pour éduquer ma fille. Pourquoi on n'arrive à rien d'honnête dans ce pays? Madame, vous avez tort. Ce n'est pas la seule façon de gagner de l'argent. Et qui êtes-vous pour parler d'argent? Vous êtes là, tout sale. Je suis sûre que vous vivez dans la rue. Oui, je vis dans la rue. Mais je suis responsable de tout cela à cause des mauvais choix que j'ai faits. Mais au moins, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. C'est exactement pour ça que je le fais pour ma fille. Je dois assurer notre avenir. Écoutez, madame, vous avez complètement tort. Vous devriez enseigner de bonnes choses à votre fille et non pas lui donner le mauvais exemple. Écoutez, ça suffit les bêtises. Je veux que vous me rendiez tout mon argent. Sinon, j'appelle la police. Mais j'ai déjà dépensé votre argent. Je ne peux pas vous le rendre.
J'ai une suggestion pour tout ça. Pourquoi ne travaillerait-elle pas ici dans votre magasin pour rembourser tout ce qu'elle vous doit en service ? Ah, quelle excellente idée. Et si vous ne faites pas tout ça, vous sortirez d'ici en prison. D'accord, je peux le faire. Mais pas ma fille. Ne l'impliquez pas là-dedans. Vous pouvez être tranquille. Je ne ferai jamais travailler un enfant. C'est vous qui ferez tout le travail. Alors c'est réglé, n'est-ce pas ? Je pense que tout est résolu. Bien, alors je pense que vous pouvez commencer votre travail maintenant. Viens, mon amour. Toujours ici, d'accord ? Parce que maman va travailler. Bon, c'est tout. J'espère vous avoir aidé. Je m'excuse toujours de vous avoir si maltraité. Non, ce n'est pas grave. J'ai l'habitude de tout ça dans la rue. Mais au moins, vous avez récupéré votre argent. Et là, juste, en guise de remerciement, je veux vous donner cet argent. Parce que vous m'avez beaucoup aidé. Mais sérieusement, vous allez me donner tout cet argent ? Tenez, prenez-le. C'est pour vous. Waouh, ça me permettra de déjeuner et dîner pendant tout un mois, madame. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors je vais y aller, d'accord ? Écoutez, merci beaucoup. Et soyez patiente avec cette nouvelle employée. Au revoir. Au revoir. Merci encore une fois. Mayara. Bonjour, madame. Oui, j'aimerais vous interviewer. Mais comment ça, madame ? C'est quoi cet argent ? De l'argent pour vous. Mais je ne comprends pas. Je ne devais rien recevoir. Cet argent est pour votre fille. Non, mademoiselle. Je ne lui fais pas confiance. Je pense que vous pouvez partir. Waouh ! Merci beaucoup. Merci vraiment. Je n'avais pas pensé à vous faire gagner autant d'argent pour travailler ici dans le magasin. Merci beaucoup. Et j'en ai vraiment envie, vous savez, madame Mayara. Et écoutez, je m'excuse. Je m'excuse vraiment pour tout ce que je vous ai fait. Je le regrette et j'ai appris la leçon. Je vous jure que je ne ferai plus jamais ça, ni à vous, ni à personne d'autre. Je vous remercie énormément pour cette opportunité, et je vous promets que vous êtes une meilleure personne. J'espère donc que vous m'avez fait un câlin ?